Plusieurs enquêtes ont été réalisées sur ce château entre l'année 2015 et l'année 2016. Un an d'investigation pour vous ouvrir les portes de l'invisible. Voici l'une de nos enquêtes. Ouais, donc il y a la porte là-bas. Ah oui, c'est par là, oui. Ouais, je prends une photo comme ça. Il fait quoi? On pourrait aller vers les temps aussi là. Oui. Donc bonjour à tous et à tous, nous sommes avec Monsieur Duchemin, maire de la commune du Tourneur. Nous sommes au château des Noyers. Donc voilà, c'est un lieu qui est très chargé spirituellement et naturellement aussi, puisque comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de végétation, un grand terrain. Alors monsieur le maire, en quelle année le château des Noyers a-t-il été construit ? Donc ce château-là a été construit dans les années 1835 suite à l'ancien château qui existait donc 150 mètres plus au sud et qui était devenu donc vétuste. Et au lieu de reconstruire notre château, on a préféré en refaire un autre, donc avec les mêmes pierres de l'ancien. D'accord. Et donc en quelle année il a été détruit ? Donc le château il a brûlé en 1984 par le feu. D'accord. Et vous savez pourquoi il a été brûlé ? Donc il n'y avait ni électricité, il n'y avait plus de meubles dedans, il n'y avait plus rien à l'intérieur, mais bon, il a brûlé. On suppose, officieusement, on suppose qu'on sait pourquoi il a brûlé. D'accord, donc ce serait un incendie volontaire d'après vous? Il y a des grandes chances. D'accord. Mais l'enquête ne l'a jamais prouvé. Hein. L'enquête de gendarmerie n'a jamais dit d'accord. Comment avait-il fait. Donc c'est des on-dit en fait. Voilà, donc il y a des grandes chances que ça soit oui, un incendie volontaire, mais pour d'autres raisons. D'accord. Alors expliquez-nous un peu les légendes qui entourent le domaine. Donc la commune de Tourneur est très connue donc, pour ses légendes. On en a une bonne dizaine, je crois que c'est 11 ou 12. Donc ça a toujours été un lieu mystérieux. C'était le chef-lieu d'une sergenterie. Donc qui est qui englobait donc 22 communes et le Tourneur avait été donc un lieu où il y avait un gibet à l'entrée du bourg où on faisait la haute justice donc, pour toutes ces communes et la Durcy aussi, il y avait deux endroits et donc la commune de Tourneur a connu la guerre de 100 ans, la peste, les Templiers, la Révolution aussi où il y a eu pas mal de séquences assez tragiques. Et donc toutes ces histoires mystérieuses, et aussi donc le château qui est connu pour être un endroit assez avec ses légendes, puisque on peut y fréquenter et rencontrer la nuit donc une dame qui se promène dans le parc, qui était une descendante des deux beaux qui habitaient le château. D'accord. Et surtout donc à partir des années 1870, il y a eu donc tous ces faits de hantises qui se sont déroulés dans le château. D'accord, on pourrait parler d'une dame blanche, selon vous ? Bon, on dit la dame blanche. Mais en fin de compte, ça serait plutôt une dame noire. Oui. C'est une dame qui se promène dans le parc et dans le bois. Et la légende dit que si on la rencontre la nuit, elle vous fait danser jusqu'au matin sans vous lâcher. D'accord. Donc, pas mal de légendes autour de ce lieu. Est-ce que vous en savez un peu plus sur la dame blanche? Parce qu'on parle de dame blanche, mais vous savez qui c'est? Oui, c'est une mademoiselle de Baudre. D'accord. Donc les deux Baudes sont arrivés sur la commune de Tourneur au 15e siècle, dans les années 1470-1480. Donc c'était les descendants des deux Baudes qui sont à côté de Saint-Lô, la commune de deux Baudes à côté de Saint-Lô, les deux Baudes. Oui. Une branche est arrivée sur le Tourneur. Et
sur le tourneur, elle a essaimé parce qu'il y avait trois sous-branches. Donc il y avait les deux baudes de la Bourdonnière, les deux baudes de Soubressin et les deux baudes de Denoyer. D'accord. Donc, et c'est surtout les deux baudes de Denoyer et de Soubressin qui sont les plus connus, hein, qui étaient donc c'était cousins après entre eux. Et en fin de compte, le dernier de Baudre qui s'appelait, je ne vais plus me rappeler de son prénom, Hippolyte c'était le père et après il y a eu, donc qui était le dernier descendant des deux Baudres et qui n'avait pas d'enfant. Et donc le château est passé par alliance chez les Lescaudet de Malvine, qui est une grande famille de Perriers dans la Manche. Donc c'est Madame Lescaudet de Malvine qui a hérité du château. Ils sont venus s'installer, et c'est à partir de ces moments-là que les fées ont repris de plus belle. Ils ont eu donc, tous ces fées qui sont décrits dans les manuscrits, dont un manuscrit a été écrit par Monsieur de Manneville, qui a été utilisé donc, par Camille Flammarion dans les années 1875-1880. On peut d'ailleurs l'avoir, ce livre. Il est en librairie. Hein. Le livre de Camille Flammarion, qui était un astrophysicien, qui était passionné par tout ce qui était spiritisme. Enfin, c'était l'époque en plus des tables rondes avec Victor Hugo, etc. Donc c'était à la mode. Lui était passionné par ça. Donc il a eu le manuscrit, donc il a dû avoir entre ses mains une partie du manuscrit de Monsieur de Manneville. Et donc c'est ce qu'il raconte dans son bouquin qu'on peut trouver partout. C'est une édition de poche, édition j'ai lu, donc Maison Hantée, c'est Maison Hantée, le titre est, et il y a un chapitre donc, qui est consacré au château de Le Tourneur. Et donc il y a eu aussi le deuxième manuscrit qui a été utilisé donc plus récemment par FR3 en 81 et par quelques historiens locaux, c'est-à-dire les historiens normands. Et donc qui est le manuscrit donc, de mon arrière-arrière-grand-mère qui était cuisinière ici et qui relate à peu près les mêmes faits que Monsieur de Manneville. D'accord. Donc ce manuscrit à mon arrière-grand-mère doit être aux archives nationales. Et celui de Manneville, même chose, je suppose qu'il est quelque part, mais je ne saurais dire où. D'accord. Parce que je sais qu'on l'a utilisé. D'accord. Mais il y a aussi, donc on sait qu'il y a aussi, parce qu'il y a eu quand même, on voit bien dans les deux manuscrits, il y a eu beaucoup de témoins. Et on sait qu'il y a aussi quelques écrits dont quelqu'un qui était le précepteur du château au moment des faits, qui était dans la Manche. D'accord. Qui aussi a écrit sur le château. D'accord. Et tout ça, ça serait dans les archives en fait. Ce manuscrit-là, je sais qu'il existe parce que c'est quelqu'un de descendant de cette personne-là qui m'a appelé il y a un an ou deux, mais qui m'a pas laissé de coordonnées. Et je sais que ce manuscrit-là a été utilisé par une autre personne il y a quelques années. D'accord. Et vous pouvez... Ils ne s'en intéressaient pas, donc c'est pour ça qu'ils m'ont appelé parce qu'ils avaient redécouvert le manuscrit dans les papiers. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire quel souvenir vous aviez de ce château étant plus jeune? Parce que vous l'avez connu intact? Oui. Pour le coup. Donc le château il a brûlé donc, en 84, mais la dernière donc, propriétaire c'est Mme Richard, donc elle est décédée en 79. Donc c'est elle même chose, elle n'avait pas d'enfant, donc c'est pour ça que le château a été mis en vente par la suite. Donc moi quand j'étais, puisque j'habitais, ma mère habitait sous l'autre château qui est plus loin, le château de Soubressin, et qui appartenait donc à Mme Richard, donc la propriétaire d'ici. Donc ma mère l'avait enviagé, donc. Et on connaissait aussi la dernière cuisinière, le dernier jardinier qui était dans le château. Donc je suis venu manger deux ou trois fois ici. Et donc le souvenir que j'avais, c'était de rentrer ici. Il y avait le grand escalier à gauche. D'accord. Ils avaient ordre de ne jamais ouvrir donc la trappe. La trappe qui était sous l'escalier. D'accord. Et vous ne savez toujours pas pourquoi à l'heure d'aujourd'hui, vous ne savez pas. Ils avaient ordre de ne jamais l'ouvrir, donc c'est ce que j'avais entendu dire. Et puis aussi, on avait donc celui qui avait racheté le château pour une bouchée de pain, donc Monsieur Descamps. Et je me souviens d'une photo de lui qui était à droite, qui était posée sur un meuble, je crois, à droite, où il avait un aspect assez pas sympathique. D'accord, ok. est-ce que vous pouvez nous expliquer les faits qui se sont déroulés lors des dernières enquêtes avec les autres enquêteurs? Avec les enquêteurs? Alors oui. Déjà, nous quand on fait le spectacle, puisqu'on fait un spectacle depuis 10 ans, donc déjà, à partir de ce moment-là, on a toujours eu des petits faits qui se sont produits. Donc moi, donc la première année, les photos que j'ai prises, j'avais du mal à prendre les photos. La photo qu'on voit avec une forme, la flèche verte, donc la fameuse flèche verte, on voit une forme blanchâtre qui nous regarde.
D'accord. Et puis après, donc l'année d'après ou deux ans après, je crois que c'est plutôt l'année après, donc c'était une journaliste qui a même chose, au même endroit, avec la couleur rouge, donc le feu, bon, le rapport à la couleur du feu. Donc on voit aussi une tête de femme, donc même chose. Et puis à chaque fois, il y a toujours des petites histoires qui arrivent. Des témoignages peut-être, voilà. D'autres personnes. Voilà, donc qui arrivent quand on fait le spectacle, ou j'ai eu le cas de personnes qui habitaient dans le Marais Poitevin, qui étaient donc sur Bénébocage, j'avais vu leur voiture, et puis qui étaient dans le bourg du Tourneur, qui discutaient avec une dame. Et quand je suis passé, la dame a dit, arrête-toi, elles sont en fin de compte, c'est toi qu'elles veulent voir. Ces personnes-là, justement, avaient des problèmes dans une maison, comme je disais, dans le Marais Poitevin, sont arrivées dans la Manche, c'était la mère et la fille. Et les voisins les plus proches, quand ils ont parlé de leur histoire, les voisins les plus proches étaient la cuisinière et son mari, donc le jardinier, qui était les derniers domestiques du château, qui disaient, donc nous, on habitait dans un château qui était hanté. Donc ils sont venus le voir, donc je leur ai raconté l'histoire, ils connaissaient pas l'histoire. Et ils sont revenus une nuit, toutes les deux, avec un monsieur. Mm-hmm. À 2h du matin, ils n'ont jamais pu redémarrer la voiture. D'accord. Ils ont appelé un garagiste, c'est-à-dire plusieurs, parce que je crois qu'ils ont eu du mal à en trouver un à 2h du matin, et qu'ils voulaient venir. Pour ceux qui connaissent l'histoire, vous ne voulez pas venir ici. D'accord. Et puis, avec les enquêtes, oui. Donc la première enquête, surtout, c'était avec Spirit Investigation. Où là, on est arrivé, c'était vraiment très très sombre. Vers 23h, je crois. Donc, on a quitté la mairie parce qu'on avait fait un petit reportage sur l'historique. On est venu ici, il s'est mis à pleuvoir, très sombre. Et qu'on a quitté vers 2h ou 2h30, donc même chose, c'est qu'on est parti, la pluie s'est arrêtée. Et là, on a assisté, donc moi, dans la voiture avec le responsable, il y a un moment, on voit une forme noire qui passe autour de la voiture. C'est-à-dire, moi, je vois une forme noire qui passe autour de la voiture. Lui, il barre la voiture, il se met à discuter, et quand les deux autres personnes reviennent, il dit, il y a un quart d'heure, il y a quelque chose qui tourne autour de la voiture. Et on ne s'était pas parlé. D'accord. Et quand on était un moment sous la chambre verte, dans la cuisine, il y a un moment, on sent bien qu'il y a quelque chose qui tourne autour de nous. Mm-hmm. Une présence, quelque chose qui nous frôle, et il y a des murmures, on entend bien les murmures, et lui, il a eu, comme il est un peu médium, il a eu la vision, ça, il a fait un malaise d'une femme qui avait les jambes coupées ou qui était brûlée. Et toujours cette histoire à chaque fois d'odeur de brûlé. D'accord. On a toujours les histoires de sentir de brûler à certains moments, à certains endroits. D'accord. Il y a eu aussi, parce qu'il y a eu une enquête, il y a eu une enquête avec vous aussi. La première, la deuxième. Oui. Donc c'est là qu'il peut le plus discuter que moi. L'enquête avec Marguerite, si oui, le greppe. Là aussi, c'était différent. On avait une limite très très claire. On se disait, même chose, c'est pas. On est là, on espère voir quelque chose, comme au spectacle. Et à chaque fois, c'est quand on développe les photos qu'on voit, une forme qui apparaît à la fenêtre. Et la même chose, il y a eu le K2 qui s'est déclenché 3 ou 4 fois, et ces 3 ou 4 déclenchements, il y a une voix de femme ou une voix d'homme. D'accord. Et on voit aussi, il y a un moment, il y a un bruit, on voit une énorme orme sur le côté ouest du château. D'accord. Et donc vous dites qu'il y a une femme et un homme, donc vous pensez qu'il y a plusieurs entités ici? Donc il y a l'histoire de cette femme, ce qu'on suppose à chaque fois, c'est ce qu'on parle, c'est il y a toujours l'histoire du feu. Hein. Quand on a fait le spectacle il y a 2 ans, on voit dans le feu qui est dans notre dos une forme de femme qui apparaît dans le feu, et c'est impossible que le feu fasse ça naturellement. Oui. Donc on voit bien que c'est toujours cette femme. Donc on suppose que il y a toujours cette histoire de cette, au moins d'une femme. On suppose, hein, on pense qu'elle aurait brûlé peut-être l'ancien château et devenu fœtus. Est-ce qu'elle aurait brûlé, le parti du château aurait brûlé et qu'elle l'aurait brûlé dedans? Mais il y a aussi donc cette histoire d'autres entités qui sont sur le terrain. Quoi. D'accord. Tous les médiums qui sont venus, eux, ils parlent d'entités qui ressentent. Et donc, on suppose que. Moi, je pense qu'il n'y a pas que cette histoire de dame, mais c'est elle-là peut-être là. Donc, ça ressent le plus, mais il y a d'autres choses qu'on ressent. Et donc, ça serait peut-être des entités qui dateraient d'autres époques, peut-être aussi de la guerre de Cent Ans, peut-être des guerres. Je peux pas répondre. Hein. Qui, oui, bah oui, c'est que des suppositions. On n'a pas l'historique qui remonte assez loin pour savoir ce qui s'est passé réellement. Mais bon, voilà, donc il y aura des entités qui sont sur le terrain. Alors, est-ce que ces entités qui provoquent ça, est-ce que c'est des personnes qui peuvent provoquer aussi ça? Parce qu'on parle aussi
il y a le fameux donc Monsieur Descamps qui était le franc-maçon qui a racheté donc le château donc dans ces faits-là dans les années 1875-76 qui a racheté le château pour ne bouger pas et ça lui a rien presque rien coûté et qui était un personnage assez bizarre assez spécial donc qui est un rose-croix et que est-ce que lui avait le pouvoir peut-être de manipuler, d'utiliser les entités pour faire peur aux gens? Oui. Est-ce que c'était aussi, on parle d'hallucination collective? Voilà, donc il y a plusieurs hypothèses. Oui. Moi, je ne peux pas dire quelle est l'hypothèse la plus préférable. Il y a quelque chose sur le terrain. Parce que même les gens qui n'y croient pas, des fois, ils assistent à oui. des petites choses. Ou... Les gens n'en parlent surtout pas, en fait, c'est ça. Ben, c'est un peu tabou. C'était connu que par les gens très locaux, ils voulaient pas en parler. Oui. Autrefois. Voilà. Mais sinon... Il y a toujours donc, l'histoire d'avoir fait les journées insolites avec Alix qui travaille à l'office de tourisme, qui n'y croit pas du tout. Et quand elle prend la photo au mois d'août, en plein mois d'août, il y a un ciel très bleu avec un beau soleil, une demi-heure après, elle me renvoie la photo, elle me dit c'est incroyable, et on voit un léger nuage, un léger voile sur la fameuse fenêtre de la chambre verte. Il y a toujours des petites histoires qui arrivent comme ça. Donc, quand on a fait le son, pareil, il y a deux ans, quand on a fait le son de lumière, que. Marguerite est venue avec tous ses appareils, elle n'a rien pu faire parce que tout s'est déchargé ainsi que le matériel des appareils photo de la journaliste. D'accord. Heureusement pour nous, c'est que la sono n'a pas fait la même chose, mais ça nous est arrivé une fois parce qu'on change tous les ans, hein, donc depuis 3-4 ans c'est avec des figurants, mais avant on utilisait des bandes son avec des histoires qu'on racontait. Tout soit c'était les gens du tourneur, soit c'était la Seconde Guerre mondiale, soit là, voilà, donc on change toujours. D'accord. Et une année j'avais mis. On avait fait une bande son avec les histoires du château, justement, qui durait 35 minutes, avec le feu d'artifice qui se déroulait. Et dans le manuscrit, dans les histoires, il y a des moments où les histoires sont plus intenses et des moments où ça se calme. Donc, il y a un moment, ça se calme pendant quelques jours, et tout d'un coup, les faits reprennent, mais vraiment avec une grande vigueur. Et la bande son dit distinctement, tout le monde a entendu, les revenants sont de retour. D'accord. Là, le feu d'artifice a coupé. Et là, tous les gens ont été surpris, même ceux qui ne croient pas, ils disaient il y a quelque chose. Parce que tout le monde a entendu, les entités ou les fantômes sont de retour, distinctement. Et là, ça a arrêté net. Ouais. Donc voilà, il y a toujours des petites. Il y a plein comme ça, plein d'anecdotes qui arrivent comme ça. D'accord. Si vous vouliez dire quelque chose à cette entité, qu'est-ce que vous voulez lui dire en sachant que vous venez beaucoup ici? Non, moi, je n'ai rien à dire. Vous n'avez rien à dire? Non. Est-ce que vous. Je sais qu'il y a quelque chose. Mais moi, je n'ai rien de spécial à dire. Non. D'accord. Bon, bah merci, monsieur Duchemin. Elle a très bien connu mon arrière-grand-mère, voilà. C'est oui, d'accord. Bah merci, monsieur Duchemin, pour cette interview et à plus tard. Merci. Donc là, il y a une fenêtre. Vanessa, on peut aller l'intérieur. Vous à l'intérieur? Ouais. Ok. C'est enfin, on risque pas de tomber là non, dedans? Non. Normalement, non. Il y a des marches. Attention. Ouais. Pierre, là, fais attention là, pas tomber. D'accord. Ah putain, alors, bonsoir, je suis pas sereine, Donc là en fait, là ici c'était, c'était quoi ici, c'était la salle, c'était quoi? Et là en haut en fait, c'est ici là, c'était la chambre verte. La chambre verte. Ici où ils ont vu un visage. Et d'accord. Derrière toi là, c'était les cuisines. Ouais. Ouais. Ici. D'accord, d'accord. Voilà. Bonsoir, n'ayez pas peur. Voilà, je suis désolée de, j'ai l'air bête à parler comme ça, mais non, mais il faut. Je voudrais donner le plus de respect possible à ceux qui sont peut-être ici. Alors bonsoir. Je sais pas si, enfin, on va se représenter parce qu'on est venu. Au mois de mars dernier, vous avez dû nous voir parce que je sais que vous étiez avec nous. Enfin, je pense que je suis pas la seule à le savoir. Alors, je vais vous redire nos noms. Donc, moi, c'est Amélie. Il y a Alexandre et Vanessa présente qui n'étaient pas là en mars.
Donc encore une fois, on revient vous voir, on vient vous rendre visite, parce que on a encore les mêmes questions en tête. Et on aimerait que, si vous pouviez y répondre. Lors de notre dernière visite, on avait entendu des voix de vous ou de d'autres personnes. Est-ce que vous êtes là ? Je peux aller là-bas ou quoi ? Vous êtes là avec nous ? Donc encore une fois, je tiens un appareil dans ma main. Et donc, si vous pouvez, vous pouvez le toucher. Et ça fera des petites lumières. N'ayez pas peur, on vous veut aucun mal. Je vous approcherai. Les lumières, c'est bon. On n'est vraiment pas ici pour vous embêter. Hein. Encore une fois, je veux le préciser parce que vous avez dû peut-être sentir que vous voulez du mal, mais c'est pas le cas. On est juste là pour vous aider. Pour vous parler. Ça réagit ? Non. Non. Mais ça viendra de toute façon. Mmh. On en a eu. Si. On va rester. On va rester un petit peu avec vous ce soir, histoire de voir si. Si vous êtes là et puis. Pourquoi pas prendre des messages en compte. Ouais, donc il y a plein de pierres ici. C'est... Ouais. Le bébé est clair. Votre château, il est toujours aussi beau. Et on est vraiment désolé qu'il soit dans cet état. Attention, écoutez bien. Un son non identifié va surgir. Oui, j'ai entendu. T'as entendu ? Oui, j'ai entendu. Non, c'est toi avec ta pierre hein ? Non. T'as entendu ? Oui, j'ai entendu. Non, c'est toi avec ta pierre hein ? Non. J'ai pas entendu. J'ai entendu très bien. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un près de la porte d'entrée ? À moins que ce soit le vent ou... Un animal ? Tu veux m'éclairer en bas pour voir ? Ça peut être n'importe quoi aussi. Vous pouvez vous approcher, hein. On va pas vous faire du mal. Au contraire, on cherche la communication avec vous. On sait que vous n'avez pas dû avoir une fin de vie très facile.
On parle beaucoup de vous, vous savez. On s'inquiète pour vous. J'entends des craquements. C'est vous qui avez fait ce bruit ? J'entends plein de craquements par là. Ouais, moi aussi. Hein. Amélie a demandé si le bruit que nous venions d'entendre provenait de l'entité du château. Écoutez bien la réponse. C'est vous qui avez fait ce bruit ? J'entends plein de craquements par là. Ouais, moi aussi. Hein. C'est vous qui avez fait ce bruit ? J'entends plein de craquements par là. Ouais, moi aussi. Hein. Est-ce que c'est vous qui êtes en bas ? On entend des bruits, hein ? On a entendu un petit grrr. C'est peut-être un animal, je sais pas, ou peut-être vous ? On va se promener un petit peu ce soir dans le jardin, dans le parc et dans le château aussi. Pour que vous puissiez venir nous voir quand vous le désirez. Oh là, il y a des trucs là. Ouais, attention. Peut-être passer en bas, ouais, là-bas, pour voir. N'hésitez pas à venir, hein, nous accompagner. T'as entendu le gros ? Moi, je l'ai entendu. Hein. Mmh. Je sais pas si c'était peut-être le bruit d'un animal. Attention, on marche. Ouais, je fais attention. Ouais, un animal, je sais pas. Ouais, y a eu un truc. Mais bon, tu sais, après, faut quand même faire. Oh non ! Non, c'est moi. Merde ! Oh, non, c'est pas vrai. Tu t'es fait mal ? Attention quand même, oh. Je me suis fait mal au dos, mais ça va, c'est bon. Oh. Non, mais ça glisse, hein, avec les mains. Ouais, ça glisse. Ouais. Non, c'est pas grave. J'aurais mal au dos, mais c'est pas grave. Il y a une balançoire. Bon, purée. Non. J'espère qu'il n'y a rien qui est cassé dans le... Attends, ça me rappelle la fois où on était au cinéma, je me suis cassé la gueule dans les marches aussi. Tu te rappelles ? Hein ? Oui. Non, mais c'est pas là, c'est pas là. Oh merde. Il y a un puits. Ouais. Aussi. D'accord. Donc je sais pas si ça a un rapport avec le cas de l'antique qu'on nous venait. Ouais. Je sais pas, d'ailleurs, il est par là, non ? Ouais. Il baisse par là. Donc... Ouais, il est rebouché, j'espère. Oui, il est rebouché, ouais. Ah, ouf. Ouais, il y a des fougères autour. D'accord. Mais par contre, tu fais attention parce que là, ça glisse. Oui, c'est bon, ça glisse. Tu devrais l'éclairer. Ouais. Attention, ça glisse. Oh la vache. La merde, les potes qui glissent. Oh, putain. Je vais sur le côté et pas devant. Hein. Écoute. Marche sur le côté en crabe. Ah, pour l'instant, je sais pas ce que je filme. Non, mais c'est pas grave. Du moment que tu tombes pas et que tu te blesses pas, c'est pas important. En fait. Oh putain, ça glisse. Ouais. Ça glisse. Ouais. Non, là. Là, c'est bon. Là, ça glisse plus. Là. D'accord. Là, c'est bon. Là. C'est bon, merci. Ça glisse par là ou pas ? Sûr, hein. Ouais, bon, donc ici c'était donc là en face, voilà, salut.
En face, c'est la porte d'entrée. D'accord. Donc, je sais pas si tu vois le dénivelé que tu as, en fait. C'était le rez-de-chaussée où il y avait la porte. Ah oui, oui. Donc, là, ah ouais, non, c'est complètement démoli. Ouais. Oh la vache. Alors, on se retrouve là. On a entendu des petits craquements tout à l'heure. Est-ce que vous êtes là? Pas vous donner mal passé. Non. Alors en dehors du château, il y a Nicolas et Monsieur le Maire que vous connaissez bien. Parce que Monsieur le Maire, il vient quand même régulièrement rendre visite. C'est pas Nicolas et Monsieur le Maire. Je suis en train de prendre les photos. Voilà. Ouais. Ouais. Et donc là, en fait, quand tu te retournes, t'as une espèce de truc dans le mur. Ouais. Et lors de la dernière enquête, on pensait que c'était y avait un truc religieux ici. D'accord, comme une chapelle, non? Ouais, peut-être une chapelle ancrée dans le château. Ah, d'accord. Je sais pas. C'est ce qu'on pensait, mais après, on ne sait pas trop non plus. Hein. Ouais, d'accord. C'est dingue, à chaque fois qu'on vient, il y a toujours des étoiles. C'est incroyable, c'est incroyable. On les voit bien. Ouais. Et la dernière fois, c'était pareil, hein. Et j'aurais jamais cru. Hein. Tu sais, on est assez loin, il n'y a pas de lumière parasite, tu vois, on est quand même assez loin de la ville. C'est magnifique. Beau ciel étoilé. Est-ce que vous êtes là, du coup ? Il y a des gouttes d'eau qui tombent. Où ça? Ça fait bizarre. Ah, ouais, est-ce qu'il a plu? Ouais, c'est possible. Moi aussi, j'entends que ça tombe. Ouais, ouais, c'est la pluie. Du coup, j'ai beaucoup de mal à voir. Je crois que je vais vous aider à investir dans une caméra qui qui tient la route. De toute façon, c'est prévu qu'on en achète une, mais là, pour le moment, bah ouais, les sous. Il est bien l'Exavant. Oui. Thomas, c'était un X10, ça faisait déjà bonne image. L'Exavant qui est supérieur, il va être encore mieux. Et avec la grande lampe infrarouge, ça va encore mieux. On va être sûr de la bonne qualité. Je savais pas qu'il y avait une pièce ici. Ah si, une pièce. Il faut quand même avoir, non, quand c'est prêt. Hein? Quand c'est prêt, il faut quand même distinguer les... Quand c'est prêt, oui. Ouais. Ouais. Mais sinon, tu vois... Quand c'est comment, mais... J'avais plié... Bon, je radote. Ouais, on entend des bruits de... Je pense que c'est les gouttes d'eau qui tombent. Je sais pas qu'il y a un gros truc comme ça, de liens qui tombent. C'est une liane ou c'est une corde? Une liane. Il y a quoi en haut? Ah ouais, d'accord, derrière toi. Ça se casse la gueule, moi je vais pas être en dessous. Avec le poids, ça va casser un jour. Ouais, c'est du bois, hein. Bah oui, ça va fissurer à un moment donné. Ça va être des gouttes d'eau qui tombent. Ouais, donc là, je pense qu'on est allé au niveau du sous-sol parce que t'as des grilles là. Ouais, pour la pluie. Bah oui, parce que là, t'as la porte d'entrée. Ah oui, c'est ça. Le ouais. sous-sol, est-ce que là, c'est rez-de-chaussée là? D'accord. Là, c'est premier étage. Au-dessus, c'est rez-de-chaussée, premier étage. Il y a combien d'étages? Une.
Trois. Deux. Deux étages. Que j'avais les encore en haut là. Et le dernier, c'était là où il y avait les. Les domestiques. Ouais, sous les toits quoi. Aïe, 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 aïe. Vous êtes là ? Bah, tu vois, vous voyez là, je me sens pas forcément super bien, quoi. Ouais. Ici. Même si je tiens à parler dans ma main, faut pas que vous ayez peur. Attends, mais juste de savoir que vous êtes là. Oui, c'est juste pour savoir que vous êtes avec nous. Vraiment, vous devez pas avoir peur. Hein. Ni de nous, ni de l'appareil. La dernière fois qu'on était venus, j'ai le souvenir qu'on avait eu avec mes collègues des petits pics sur le K2, sur l'appareil que je tiens. Et je suis pas folle, j'entends des trucs. Oui, c'est peut-être la pluie, j'ai dit qu'il tombe sur les feuilles. Ouais. On avait eu aussi J'entends de l'eau qui ruisselle, hein, je crois. C'est l'eau ou c'est le vent dans les feuilles? Ouais. Approchez-vous. Je suis sûre que vous êtes pas loin. C'est des murs. Je pense que c'est. Est-ce que c'est. Venez me tenir compagnie. Là, ils prennent des photos, d'accord. Ah, ouais. Non, c'est toi, non ? Deux. Ah, j'ai cru voir. J'ai cru voir un truc comme une. Non, j'ai cru comme une luciole un peu. Ah. Ouais. On va l'éliminer donc. Mmh. Non, la lampe, ça serait ça. On avait entendu des voix de femmes et d'hommes répondre à nos questions la dernière fois. Non, c'est bon, excusez-moi. On pouvait aussi aller voir monsieur le maire et Nicolas qui sont dehors, hein, si vous voulez, si peut-être que vous avez peut-être peur de nous, et vous pouvez aussi aller voir Nicolas et monsieur le maire. Monsieur le maire, vous le connaissez très bien d'ailleurs, enfin très bien, vous le voyez souvent, on va dire. Est-ce que vous avez un message à faire passer? Après la question de Vanessa et derrière les brouhahas, nous entendons clairement un oui. Est-ce que vous avez un message à faire passer? Est-ce que vous avez un message à faire passer?
C'est calme. Peut-être après. Oui, peut-être après, ça veut rien dire. Oh, j'ai mal à la tête. Ah bon ? Merde. Putain. C'est qui m'a appelé ? Ah non. Personne t'a appelé, non ? Non, j'ai Amélie. J'ai entendu Amélie, hein. Quoi ? J'ai entendu quelqu'un dire Amélie. Mais non. Ah si, je suis sûre à 100%. C'est vous qui m'avez appelé ? J'ai entendu comme ça, j'ai entendu Amélie. Je croyais que c'était toi. Non, faut pas chuchoter, c'est bon, je veux réagir. Est-ce que c'est une voix comme avec un écho ? Non. Non. C'était comme une voix, comme si Alex m'appelait ou toi. Qu'est-ce que c'est ? Amélie. Comme ça. Ah ouais, non. Comme si je devais m'interpeller. Ou... C'est peut-être mon imagination après, hein, mais je suis sûre d'avoir entendu. D'accord. Ouais. Mais il réagit pas. Vous... Non, il réagit pas. Si c'est vous qui m'avez appelé ou... Est-ce que vous pouvez faire déclencher l'appareil que j'ai dans la main ? Nous approchons de l'appareil. J'aimerais être sûre que j'ai bien entendu, en fait. Alors, si vous pouviez avoir la gentillesse de m'éclairer sur ce point-là, est-ce que vous pouvez essayer de le faire clignoter ? Au moins un petit peu au vert ? Pas trop, c'est... On vous demande pas non plus. De toute façon, on réécoutera la caméra, mais... Mmh. Je suis sûre que... Puis c'est à la réunion, en fait, tu vois. Puis c'est vraiment cette impression que quelqu'un appelait... Tu veux bien m'éclairer ? Attention parce que c'est pareil, ça va être trop. Oui, ça va glisser un peu moins, je vais pouvoir remonter. Oh, il glisse là. Oh, ça glisse. Bien. Ça va sur le côté. Je pense que ça va bien. On fait le tour par là ? D'accord. Hein ? C'est beaucoup quand même. Bah après, c'est peut-être une imagination, hein. Ouais, après, on va le savoir, à mon avis. Peut-être, je sais pas, mais c'est pourtant, j'ai vraiment l'impression que ça faisait comme ça. C'est toi. Arrête, t'es vite. Ah, c'est pas le quart d'heure. Hein. Ouais. De fou, de toute façon, on m'entendra la caméra. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Parce que moi, je suis sûre que j'ai rien entendu, c'est pour ça. Bah alors, rien, au cas 2. Par contre, tout à l'heure, on était là et on entendait des petits bruits de craquement. Alors, est-ce que c'est la pluie ou le vent dans les feuilles ou un animal ou on ne sait pas. Et puis là, tout de suite, là, en sortant, j'ai entendu... comme ça. Ah bon ? Et je me suis retournée, je fais... Vous avez pas de... Hein ? Et nous, on n'a rien entendu. Moi et Alex, de... non. Le truc là pour... Non, on n'a pas le dictaphone. Le dictaphone. Ah merde ! Ah ouais. Mais comme ça, c'est j'aurais cool. Dû me demander, je l'avais, ma mère. Tu l'as, c'est sur toi ? Bah ouais. Oh, trop bien. Super. Bah ouais, c'est pour ça que je te l'ai mis sur le message, parce que du coup, on l'a perdu.
Ah non, mais par contre, on verra si à la réécoute, parce que là... Bien. Moi, j'ai le truc qui s'est allumé tout seul. D'accord. Vous étiez là. Hein? Et il est descendu à 0,9. Alors qu'il tourne entre 2,6 et 5. Ah oui, il a une baisse de... 5 degrés? Ouais, 2,6 et 5,4. Quand? Où? Sur le mur? Ouais, sur le... En arrivant, j'ai regardé... 3 degrés, ça fait... Non mais attends, en arrivant, j'ai regardé tout de suite. C'était dans les entre 0, 2, 3. Et ça montait à 1, 2 degrés maxi. Ah ouais, ouais. Et ouais, moi, c'est descendu à 0,9 et en... Et c'est sinon, monté à 5? Ouais, 5,4. Et t'as mis ça où pour que ça monte à 5? Sur le mur, comme ça, regarde. Comme ça? Ouais. Nous regarde aussi vite, tiens, je te mens pas, 5,4. Ah, ouais. Tu vois? Mais où le point? Le point, il est sur le... J'ai fait le coup tout à l'heure, regarde. C'était à 1 des bananes. Là, je mets par terre, 1, 5. Sur le mur, 5, 6. Le mur, il fait chaud que le... Ouais. 5 degrés quand même. Tiens, qui c'est qui prend le dictaphone? Attends, regarde. Il y a un truc, tiens, si tu veux. Ouais, par contre, il faudra vérifier la caméra là pour le Amélie. J'ai même le casque ouais, aussi. Ouais. Non. Ah, vas-y, vas-y, je viens. Vas-y, vas-y. Bah, ouais, vas-y. C'était quel prénom vous avez entendu? Amélie. Amélie. En fait, ça personne a fait... Amélie, ici. Si. Moi? Non, parce qu'il y a eu... Je sais plus si c'était la Sermente qui s'appelait Amélie. Ah. Ah ouais. Ah, d'accord. Super. Non, en fait, je... C'était la Sermente, la femme de chambre qui s'appelait Amélie. D'accord. Parce qu'en fait, on marchait et puis d'un coup, j'ai cru entendre Amélie, comme ça. Alors, je sais pas si c'est mon imagination ou... Merde. Ah, attends. Ouais, fais gaffe. Non, j'en ai. Je vais te dire si j'entends... Ah, on entend hyper bien. Ouais, ah bah oui. Faut le même. Par contre, fais attention à ne pas entendre d'autres bruits parce qu'on entend des gens qui font un peu la fête. Le dictaphone, t'entends super bien quand même. Ouais, ouais, j'entends. Ah oui, ah oui. On entend bien là. Tu m'entends parler? Oui. Okay. Un, deux. Mayday, mayday. Ouais, t'aurais dû me demander avant de partir. Bah ouais, ouais. Oh, c'est con. Ça va, Vanessa? Ouais, ça va. T'avais déjà enquêté, non? Non, jamais. Moi, j'ai enquêté en théorie, mais jamais en pratique. Ouais. Mais t'avais enquêté sur le tourneur, non? J'étais allée me documenter, j'avais cherché plein de trucs sur Internet. Vous allez sur Internet, c'est incroyable tout ce qu'on voit, quoi. Ouais, c'est fou, hein. Voir, ouais. Bah, les photos de... J'ai réussi à trouver les photos du tourneur pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouais, c'est vrai, ouais. J'ai passé magnifique. Super, quoi. Ah ouais. Même le château quand il était pas brûlé et tu vois en fait des graviers et tout. Ouais, c'était beau, là, ouais. Ah super, ouais. Magnifique le truc. Quoi. Ouais, c'est con, incroyable. Quoi. C'est con. Et si on allait faire un tour dans le contrebas puis après on remonte, hein? Ça vous dit? Ouais, on a pris une photo et à un moment donné, il y a une grosse traînée de lumière comme ça qui descend de haut en bas. Ah ouais? Sur l'appareil. Et à ce moment-là, je disais, il y a une petite odeur de crème. Ouais, et à ce moment-là, il m'a dit, il y a une toute petite odeur, j'essayais, il y a une petite odeur de crème. C'était une grosse lumière ou pas? Parce que Alex aussi, il en a vu une. Attends, je vais te montrer. Et à ce moment-là, je dis, tiens, ça y est, je sens une odeur de brûlé, mais léger. Attends. Moi, j'ai toujours une lumière rouge, alors je sais pas c'est quoi. Oh là là. Attends. Rouge, ouais, t'as tiens. Vu, hein. Regarde. Garouche. Tout le temps. Comme de par hasard. Tiens, c'est là, regarde, la voie à la. C'est quoi ça? On sait pas. Et c'est ce moment-là, quoi. Ouais, c'est bizarre. Hein. Voici quelques photos prises durant l'enquête. Nous vous laissons regarder, analyser et faire votre propre opinion. Nous n'avons toujours pas donné d'explication à ces phénomènes. Pour nous, cela reste paranormal. Des présences sont autour de nous. Après avoir fait une pause de quelques minutes et un débrief avec l'équipe,
nous nous retrouvons sur les marches du perron du château, où nous allons établir une séance de PBE afin de rentrer en contact avec le ou les esprits potentiels. Alors, on est de nouveau réunis autour de vous, de votre château, de votre demeure. Mon collègue tient dans la main un petit boîtier dans lequel on peut vous enregistrer. Ça enregistre vos voix, vos sons. Alors, je vais vous inviter à dire le maximum de choses et, si possible, à intelligible voix, pour qu'on puisse bien entendre vos messages. Déjà, est-ce que vous avez un message à passer? On vous l'a demandé déjà tout à l'heure. Est-ce que vous avez quelque chose à dire en particulier? Est-ce qu'on vous dérange? Est-ce qu'il y a une personne du groupe qui vous dérange? Est-ce que c'est vous tout à l'heure qui avez tourné autour de nous? Est-ce que vous pourriez nous dire un prénom? Un nom de famille. Est-ce que vous avez vécu au 15e siècle? Parce que j'imagine que vous avez dû voir beaucoup de monde passer ici. Est-ce que vous faites partie de la famille des De Manneville? L'année dernière, en mars 2016, il y a une de nos collègues qui était à la même place que où on est actuellement, qui a fait une séance de Spirit Box. Donc c'est un petit boîtier dans lequel on peut vous entendre également. Et apparemment, elle aurait été... Elle aurait senti des brûlures sur son visage, comme si vous vouliez lui transmettre un message. Sur son corps. Sur son corps aussi, oui. Est-ce que vous voulez nous faire transmettre la même sensation aujourd'hui, pour qu'on comprenne ce que vous voulez nous dire? C'est...
C'est la pluie. C'est des gouttes d'eau, Émilie. Des gouttes d'eau, qu'on t'a dit. Ça fait bizarre, hein. Ouais. On raconte aussi que peut-être, on suppose, que vous auriez été vu avec un bébé dans les bras. Sur une photo. Est-ce que c'était vous ou est-ce que vous connaissez cette personne qui avait peut-être un bébé dans les bras ? Ou un objet ? Tu sais quoi ? Je vais poser ma lampe. On sait jamais, tu sais, des fois on a des résultats avec les lampes. Ouais. Mon collègue va poser sa lampe. Est-ce que vous... Vous pourriez l'éteindre pour nous montrer votre présence. Vous savez... Vous avez fait tout à l'heure, comme pour l'appareil photo, vider la batterie. Est-ce que vous pourriez faire pareil avec cette lampe, de façon à ce qu'elle s'éteigne ? J'ai une odeur de cramer ici. Ah. Prends une photo, Alex. Prends une photo, ouais. C'est dingue, il ne faut pas prendre de photo. Mais qu'est-ce donc ce son inaudible à l'oreille nue? Tellement net que le son n'a pas besoin d'être amplifié. Je suis sûre qu'il n'y a rien. Mm. Non ? Ouais. Mm. Ouais, une seconde trop tard, c'est ça. 4 degrés. 1 degré. C'était trop bizarre. Je suis où là? Je suis sur l'arbre. 3 degrés au sol. Vous pouvez venir avec nous. Vous vous tournez autour, mais vous voulez pas vous approcher. Pourquoi est-ce que vous avez peur? Est-ce que c'est les hommes qui vous font peur? Est-ce que... Est-ce que le premier incendie du premier château, est-ce qu'il a été causé par des hommes et est-ce que ce serait pour ça que vous en voudriez à des hommes ou que vous avez peur des hommes? On a entendu des voix de femmes. On a cru entendre. Est-ce que c'était vous ? Non ? Oui, mais c'est plus pour la mort. C'est plus vers le bled. Ouais. Ouais, je l'ai entendu aussi. Dites-nous ce que vous voulez nous dire. Il le faut.
J'entends des bruits de craquement ici à chaque fois. T'es sûr que c'est de la flotte? Des gouttes d'eau qui tombent. Non mais Amélie, en plus, enfin, ça travaille tout le temps, tu sais, la pierre. Ouais, je sais, mais c'est chiant, quoi. Il se met tout seul en pause. C'est bizarre, ça. Ouais, non, mais c'est normal. Ouais. Il se redémarre. Ouais. Dès qu'il capte un bruit, en fait, il se remet en route, quoi. Est-ce que vous êtes plusieurs ici? Et cette femme, enfin on suppose que c'est une femme, cette femme en noir qui tourne autour des voitures et qui... semblerait-il, monte dans les voitures? Est-ce que ce serait vous? Je voulais dire quelque chose, mais je sais plus. Ah. Un bug. Le truc qui s'est pas mis en route encore. Non. Est-ce que les odeurs... Je viens de voir 6, non mais... Je dois être folle, j'en sais rien, mais je viens de voir 6 là. Et c'est descendu tout de suite à 1. J'ai l'impression que ça se déplace, moi je sais pas pourquoi, mais toujours cette impression de va-et-vient. Comme si il voulait pas tourner autour et il veut pas venir, j'en sais rien. Approchez-vous de nous! N'ayez pas peur! On n'est pas méchants! On veut vous aider. On veut comprendre. Ça sent... C'est ma clope. C'est un cigare. Oh, désolé. Hein. Je vais pas m'engueuler parce que je fume. Ah, il s'en va, monsieur le maire. Merde. Ouais, ouais. Il en a marre, là. Ouais, je crois. Mm. Bon, au revoir. Bon. Ouais. Bon. Mais moi, il nous fait confiance. Bah, il nous fait confiance, mais bon, d'un côté. Ouais, quoi. Je viens de voir 7, c'est passé à 0, mais je suis pas folle, putain de merde. À chaque fois, je vois des trucs et. Ou alors, c'est moi, j'en sais rien. J'ai vu 7 à l'instant. Ah, mais peut-être que. Parce que t'es touché peut-être un arbre. Non, peut-être. Non, 17, 16, 7 là. Ah, c'est peut-être tout en fait. Peut-être. Mmh. Un petit doute. Comme quoi, tu vois. Mmh. Je mens pas, je suis frigorifié. Ouais. Mmh. Peut-être que le 10 tout à l'heure, c'était peut-être toi. Quoique. Non, t'étais derrière moi, toi. Mmh. Mmh. Bizarre. J'ai l'impression que vous faites des va-et-vient entre le château, le parc. Vous n'avez pas trop envie de vous approcher. Est-ce que vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Est-ce que vous avez peur qu'on vous fasse du mal? Ou qu'on découvre la vérité? Sur ce lieu? Faire attention à la fumée qui fait. Ouais. Et la fumée, là. Faudra faire gaffe que ce soit pas interprété comme... Est-ce que quand les gens voient une ombre noire, est-ce que c'est signe que vous voulez les faire fuir? Vous voulez pas d'eux?
17 degrés, 12 degrés. Ah non, mais c'est toi. Je vais arrêter de toucher au thermomètre, je te jure. Ça voudrait dire que tout ce qu'on raconte sur le château, c'est pas vrai? Il n'y a personne ici? Vous voulez qu'on vous ignore? Vous voulez qu'on vous ignore? Il n'y a personne ici? Vous voulez qu'on vous ignore? Est-ce que vous voulez rester ici et qu'on vous laisse tranquille? T'entends des bruits? Impossible de prendre. Est-ce que vous pourriez laisser Alex prendre une photo de l'intérieur du château? T'arrives pas à prendre? Est-ce que vous étiez la propriétaire du château? Le ou la propriétaire? Est-ce que vous étiez la cuisinière? Une servante du château? Est-ce que vous avez connu la famille qui avait vécu ici? Je crois que c'est pas Londres, ce qui a passé d'hier. Ouais. Ah ouais? C'est ce que je pensais aussi. Parce que t'as vu, dès que j'ai mis la lampe... Ouais. Ouais, okay. C'est possible. Ça y est, on a des d'Albert Einstein là. Ah, je suis une tête, moi. Est-ce que vous pourriez vous montrer sur une photo? On a eu des petites... Des petites apparitions rouges tout à l'heure, est-ce que c'était vous qui avez fait ça? Est-ce que quelqu'un veut faire la séance? Peut-être parce que c'est moi qui parle, et peut-être qu'il veut prendre. Vanessa, par un. Ouais. Juste à poser des questions. Mmh. Est-ce que vous êtes dans la maison? Est-ce que vous êtes dans le parc? En arrière-fond, nous entendons une voix d'homme désincarné. Répondons oui. Cela nous confirme bel et bien qu'il y a plusieurs entités sur ce site.
Est-ce que vous êtes dans le parc? Est-ce que vous êtes dans la maison? Est-ce que vous êtes dans le parc? Est-ce que vous voulez venir au milieu de nous? Est-ce que vous voulez nous dire quelque chose? Est-ce que vous avez un message à faire passer? N'ayez pas peur, on ne va vous faire aucun mal. On veut juste que vous vous manifestiez. Est-ce qu'on vous dérange? S'ils sont tranquilles, c'est vrai. Bah c'est ça en fait, est-ce qu'il ne veut pas qu'on le laisse tranquille? Peut-être. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, pourquoi ils se montraient au... Bah, c'est ça. C'est bizarre. Ils se montrent à certaines personnes. 23h45, sauna. Que nous décidons de mettre fin à l'enquête. Les situations climatiques ne nous permettent pas de continuer. Cette enquête qui nous a pris tant de temps, tant de mois, presque un an d'investigation théorique et pratique, pour tenter de comprendre et d'élucider le mystère de la Dame Blanche du Château des Noyers. Les ressentis, les écoutes et les visionnages que chacun a pu avoir sur ce lieu, aussi différent soit-il, nous ont tous laissés sans voix. Cette sensation étrange qu'il se passe un va-et-vient entre le château et le parc, les quelques PVE qui répondent intelligemment à nos questions, nous confirment alors à cet instant la force précise de l'énergie qui se dégage de cet ou de ces esprits. Les photos bien plus que troublantes, toutes ces choses que nous n'avons pas pu expliquer rationnellement, ceci nous prouve encore une fois que le château du tourneur est bel et bien hanté, par la demoiselle de Boudre ou par d'autres esprits, dame Blanche ou dame Noire, mais reste encore tant de questions à répondre.